Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 13 février. Donc ce matin on a commencé avec 2 heures d'anglais. Donc elle nous a rendu la colle de la semaine dernière. Donc voilà, je l'avais pas super bien réussi. Enfin, j'étais pas trop à l'aise, j'ai eu 11,5. Donc ça reste la moyenne de classe du premier semestre, mais d'habitude je suis plus entre 13 et 14. Donc voilà. Donc ça clôture aussi l'école à l'écrit. Et à partir de la rentrée, ce sera des colles audio. Donc voilà, des compréhensions orales. Donc voilà, donc aujourd'hui pour s'entraîner, on a fait une compréhension orale encore. Donc c'était sur le thème de la légalisation, pardon, du cannabis et de la marijuana. Donc voilà, c'était le thème du jour. Donc c'était les drogues dures, etc. Le fait que ça pouvait avoir comment dire, des effets thérapeutiques et médicinales. Enfin, ça pouvait aider pour la médecine. Donc du coup, voilà. Donc c'est tout pour l'anglais. Après, on a eu 2 heures de maths. Donc là, on a avancé sur le chapitre de l'algèbre linéaire. On a vu, bah, ça on avait commencé à voir les espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels, les endomorphismes, isomorphismes, automorphismes, formes linéaires. Donc voilà, donc pas mal de notions, nouveau vocabulaire avec des nouvelles définitions. Et ça ressemble au chapitre, du coup, comme il disait, ensemble et applications, sauf que bah, ça a quand même encore une petite nuance. Mais voilà, donc pour le moment, on n'a fait que quelques pages de cours. Enfin, il y a déjà beaucoup de choses en quelques pages de cours, mais on a peut-être fait 10. Non, un peu plus, peut-être 15-20% du cours. Donc voilà, donc je ne peux pas trop expliquer parce qu'on n'a pas, je n'ai pas encore en gros une vision d'ensemble ou globale pour vous dire ce qu'on fait exactement. Et du coup, voilà, on a avancé le chapitre pendant 2 heures. Ce midi, pas de colle. La prochaine colle, c'est demain et c'est physique-chimie avec bah, notre prof. Et du coup, cet après-midi, c'était TP de chimie, enfin TP d'optique, pardon, noté. Et ensuite, 2 heures de TD de maths. Donc pour le TP d'optique, bah, c'est par trinôme, toujours les TP. Donc au départ ça n'a pas super bien commencé, genre on a mis pas mal de temps à démarrer, on n'a pas trouvé comment démarrer entre les diverses méthodes qu'on a bah, pour déterminer l'émergence, etc. Et du coup, bah, enfin les focales et tout. Donc voilà, on a perdu un peu de temps au début, mais après on a réussi à se rattraper et on n'a pas fini le TP, il nous manquait une question, mais voilà, on a pas mal avancé. Et, bon, même si on a fait quand même des erreurs sur le début et tout, on va dire voilà, la fin c'était un peu mieux. Du coup, voilà, on verra bien ce que ça donne, on n'a pas trop d'idées. On pense pas que ce sera le TP le plus réussi du semestre, parce que voilà, on n'était pas super à l'aise non plus. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Et après 2 heures de TD de maths, où là, pour le TD de maths, ben, on n'a pas corrigé des exercices. On a fait des exercices sur le développement limité en zéro, au voisinage de zéro. Et après, on a fait des exercices pendant la deuxième heure sur ben, l'algèbre linéaire. Donc des petits exercices d'introduction, etc. pour commencer à manipuler ces structures. Du coup, voilà pour la journée. Demain la colle, comme je vous ai dit. Demain la note de la colle, non, de la colle de français, oui peut-être, et aussi du DS de la dissertation. Et après, vendredi, c'est un DS de physique-chimie pour clôturer cette semaine et aller en vacances. Du coup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Travaillez bien, occupez-vous bien de vos vœux Parcoursup et révisez bien les bacs blancs si vous en avez ou si bientôt, non, les ECE, c'est au mois de mai, vous avez encore le temps, mais peut-être vous aurez bientôt les compréhensions orales de bac. Donc du coup, voilà, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!